Hey, hey, hey! Salut mes petits culs et bienvenue pour la suite de Crooks The Big Heist. Et attention, la musique va partir! Wouh! Hey, on s'enjaille! On bouge son boule! Tin, tin, tin! Allez, on va continuer tout de suite l'histoire où j'étais arrivée au dernier niveau, c'est-à-dire qu'on avait volé tout ce qu'il fallait, on a posé le truc avant, maintenant il suffit de se barrer! Et ça va être compliqué, je le sens, et je suis déjà en discret, mais... Ah, mais gouré dedans, si je fais déjà n'importe quoi. On va mettre l'info sur les gardes, comme d'habitude. Oui. Alors. Il va falloir... Chut, aller par là. Ah oui, bah ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a un... Ça risque d'être compliqué d'aller là, alors peut-être aller ici. Ici, on a des sous, on peut être safe. Ouais. Ouais. Pour aller le... On va désactiver, on va ouvrir ça, on va désactiver là. Et on va se réfugier ici. Ça me semble plutôt pas mal. Et ensuite, on avisera un peu, hein, parce que là, je ne sais pas où aller... La réserve fédérale, ici, ça sert pas à grand chose d'aller là. D'accord. Bon. Ça, c'est un truc... Tu vas le faire. On va commencer... par le commencement. Tant qu'eux, ils s'excitent pas. Tout va bien ? Ouais, tout va très très bien, madame la marquise. Serrure à crocheter ? Ouais. Et maintenant ? Bah maintenant, on... Oui. Toi, il faut que tu te tiennes prêt. Ouais, mais en fait... C'est compliqué, muy complicado, je crois, surtout. Ce que je suis en train de faire. Parce que même s'il peut aller... Ouais... Je sais pas. On va tenter. Technico spy. Ouais. Je me complique déjà le truc. Sachant que c'est un garde à l'armure. Tu vas retourner là. Ouais. Parce qu'il va sûrement le voir en fait. Ouais. Non, c'est bon. C'était juste Auguste, quand même, hein. Alors. Au travail. Je suis déjà stressée. On est au début de la vidéo. On a récupéré au moins les sous. Parce que... C'est vraiment dès que lui tourne le dos... Qu'on va tous aller là. Voilà. C'est parti. Tu vas refaire. Et toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Bien reçu. Merde! Non! J'ai été trop vite, putain! Oh là là, j'ai presque perdu, quoi. Un truc et je suis morte, hein. Il me reste un aimant amélioré. Ça, c'est bon. C'est-à-dire, prochain, ici, de truc de caméra. Qu'on arrivera à passer, et ben on pourra l'utiliser. Donc tu vas t'occuper de cette caméra là. Je suis prêt. Pendant que. Non, bah non, tu fais pas encore. Après, est-ce qu'on va vraiment utiliser ça? J'ai envie de dire oui. Ou pas. Parce qu'on peut pas y rentrer comme ça. On peut y rentrer par là. Par là. Ici, on doit rentrer par là. Il faut passer ici. Oh lolo. Muy complicado. Dans ce cas-là, il faudrait que ce soit le... Ah, elle est carrément désactivée. Elle est en boucle. C'est parti. Si tu remanipules,
pas comment ça fonctionne en fait. Bon. Je suis déjà coincée, hein. Vous avez vu, c'est. Même si on passe là et qu'on désactive ça. En allant ici, on peut ouvrir là. On arrive là. C'est pas très intéressant ce coin. Il y a quatre trésors à trouver. Ici, il y a une autre paire de semelles avec une caméra. Ben ça, c'est le robot, hein. Le robot, il peut y aller, lui, hein. Ici, c'est juste fermé. C'est-à-dire qu'on peut y aller. Là, c'est juste porte-interrupteur. Non, interrupteur, c'est là. De toute façon, on ne pourra pas passer. Ouais. Là là, il y a des sous. En fait, dès qu'on commence à arriver dans les réseaux des trucs ici, on peut se balader plus ou moins safe. Il y a tout un réseau de portes là. Ah, puis la sortie, elle est là. Ouais, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ok. Je suis déjà bloquée. J'ai fait un truc, je me suis fait baiser et en plus, je suis déjà bloquée. Qui prend les chaussures? On va dire que Lobco, il va prendre les chaussures. Au moins. Que fait-on? Il faut qu'on accède là. Pour accéder ici, alors, il faut passer par là. Pour passer par là, il faut aller dans le dos de celui-là. Et on va envoyer le robot. Ouais, mais le robot. Le robot, il a pas les mains. Hein. Ça m'enquiquine un peu. Ah, mais il a les. Ah oui, et puis lui, il peut passer. Attendez. Ah non, parce qu'il y a une caméra en plein dessus. Donc, il peut pas. Bon, moi, je suis déjà coincée. Je suis déjà coincée, c'est le début. Ou alors on passe là en face. On passe en face. Pendant que lui fait sa ronde. Je sais pas, on va tenter. Nickel. On va faire ça, hein. Dès que lui tourne le dos. Technico spy. Ok. Venez tous ici. C'est quoi le topo? Bah, le topo, c'est que on change de pièce. C'est au moins ça de fait. Toi, tu ouvres là. Ici, de toute façon, on est bloqué, on sera obligé de passer ici. Avec lui. C'est un garde rapide. Est-ce qu'il voit derrière les bureaux? Alors, si on passe par là, on n'a de toute façon qu'une seule option, c'est passer par là pour aller ici. Et ici, oui, c'est bon, on va arriver aux caméras, c'est déjà prêt, c'est déjà ça. Je vais juste observer comment il fait s'il voit à travers les bureaux. Ouais. Ok. Vous êtes prêts, les enfants? Parce que là, il va falloir sprinter. Sprinter, sprinter. Tu vas bien?
Ouais, Dès maintenant. on va essayer, hein. Oui. Peut-être que je vais trop vite, hein. Oh, c'est tellement tout juste. Oh, merde, il y avait un coffre ici. Ah, zut. Je suis pas sûre qu'on puisse aller le choper, hein. C'est pas notre objectif principal. Toi, tu vas utiliser ça et... Vas-y. Je respire un peu. On a accès à un pouet-pouet. Allez, regardez comment on va descendre. Oui, on est redevenu Akunito, mais c'est trop bien. Là, on peut rouvrir la porte. Mais on n'en a pas besoin. On a accès ici. Ici, il n'y a personne. Ça nous donne accès là. Et ici, il y a un pied de biche. Et il y a un truc à défaire. C'est cool. Tu peux venir là, du coup, Loco. T'as un truc à faire ici. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait personne qui vient là, mais bon, c'est... Accrocheté. C'est le cas puisque voilà, il n'y a pas de traces de garde de passage. Les deux là, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Au moins, ce sera fait. Technical spy. Tu prendras ça après. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je sais pas ce que j'ai désactivé. Ah! J'ai désactivé ça. Juste un seul. Oh, quel dommage. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui étaient peut-être aussi à faire. J'étais partie sur. Je sais plus. Ça. Ah! Ça désactive ça. Interrupteur lourd. Ben, ça, c'est pour lui. Peux venir là, toi. Il n'y a rien d'autre à faire. Et on pourra un peu plus voyager tranquillement. J'espère que le bruit va pas l'atteindre lui. Non, c'est bon. Top! Oh là, ça facilite tellement les choses là. Ah, un petit mur à craquer. On en vient en plus de là. Ok. Alors, maintenant qu'on est ici. Dans son dos à lui, on peut aller ici. Et ben voilà, on peut aller craquer le mur. Et quand on craque le mur, on arrive ici. Est-ce qu'on se compliquerait pas la vie? C'est où la sortie? J'arrive même pas à voir où elle est. Elle est là. Si on arrive ici, il y a des caméras. Il y a un safe! Merde! Il n'y a pas de chalumeau récupéré? Il y a un pouet-pouet? Ah, il n'y a pas de chalumeau. On va s'asseoir sur un gros coffre-fort alors que... Oh là 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 là. Il y a des semelles. Il y a un truc d'huile. De lubrifiant. Il y a une clé. Il y a un désactivateur de caméra. Une clé. Un chloro. Non. Pour moi, il n'y a pas. Ah! Ah ouais. Comment on arrive là? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller là? Faut passer par ici. Passer par ici. Ouais, c'est complexe, hein. Alors, déjà, je peux arriver ici. Est-ce que on peut aller chercher le pouet-pouet? Au Tiens, travail. ouais, tu peux aller chercher le... Non, 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 voilà, c'est pour ça que, hein, tu vas venir chercher comme ça. Le pouet-pouet. Je pense qu'on est bien. C'est juste savoir, une fois qu'on est ici, on accède là. S'il y a une caméra. Et celle-là, elle est juste. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord.
Et la caméra, elle fait juste à la sortie. Alors que si on arrive à faire le tour, ce qui est largement faisable, on désactive. Ici, on le maîtrise, lui. On désactive les caméras, on passe ici, on ouvre et on a la sortie. Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que c'est si simple que ça? Je vous crois pas, monsieur. Bon, il va chercher le poète-poète. Et il revient. C'est parti. Vous pouvez tous venir là. Ça va barder. T'es où, toi? Ah, il est là. Est-ce que c'est si simple que ça? Oh, une couille, un truc que j'ai pas bien regardé. C'est trop simple. Alors, le jeu m'a save ici. On va juste attendre qu'il passe, évidemment. Pas se précipiter. Ok, c'est bon. Venez tous ici. Ouais. Eh ben, viens, 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 viens. Viens, viens, viens à Saint-Germain. Toubiloubiloupi tout tout. Comme ça, il se retourne et il ne voit rien. Ah, oh, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ok. Viens sur toi. Oui. Tu peux rien faire parce qu'on n'a pas de safe. On va pas récupérer tous les trésors sur cette mission, moi je vous le dis. Hein. J'ai surtout hâte de la finir parce qu'elle est quand même assez costaud. Et là, toi, ouais. tu vas percer le trou. Mais on va surtout attendre qu'il parte loin. Parce que sinon, ça sert à rien. Ouh, une jolie petite fontaine. Tout va bien? Une serrure à crocheter? Ça va barder. Ouais, nickel. Par contre, il va forcément le voir, donc il faudrait peut-être dès maintenant... Là, il va aller par là. Si on se met ici. Technicos pareil. Parce que quand il va revenir, il va voir le trou et il va venir ici. Donc je peux pas laisser mes mecs là. Après, je pourrais... Non, bah non, c'est compliqué. J'ai envie de les sortir tout de suite. C'est là peut-être que je vais me gourer, mais je vais me faire avoir comme une bleue. Mais il va pas les voir derrière les poteaux, il va faire son truc là. Et on peut tourner autour, c'est-à-dire que pendant... Vous pouvez l'ouvrir sans difficulté, ouais. Pendant que lui il aille là, lui on désactive et on assomme le gars. On va faire ça comme ça. Au travail. Ça, on sort. Oh là là, attention à la caméra. Ils sont tous derrière le poteau. Normalement, lui ne les verra pas. Oh là 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 là. Ça me fait ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh. Et maintenant. Wouah. Mais c'est une vision de lynx qu'il a, le gars. C'est parti. C'est quoi le topo? C'est bon. Pour l'instant, je suis bien. Je vous jure, je suis en stress. Hein. Ok, il tourne le dos. Donc, le tourne-dos, c'est un poisson. Ouais, ouais. Et les poissons se faufilent. On se faufile. Ah, par contre, il va regarder par là. Mince. Donc, arrêtez tout. Vous vous arrêtez là. C'est bon. Oh, punaise. C'est bon, ça. C'est nickel. Étrange. Ah, voilà. Il va aller à l'intérieur. Tu vas bien ? Mais il va faire une pause. Il va regarder là. Donc, faut qu'on se replanque. Et maintenant ? En file indienne.
On se demande pas pourquoi ils ont mis des poteaux à cet endroit-là, hein. Voyez? C'est pour qu'on se tourne autour. Voilà. Ok, c'est bon. Bien reçu. Ouais, mais il va voir. De toute façon, il va reprendre sa ronde après, donc avec un peu de chance. Je sais pas là, je sais pas si je tente. Non, est-ce qu'il a pas l'air de voir derrière la terre? Et toi là? Là, c'est stress, hein, parce que ça se joue sur pas grand-chose. Ok. C'est bon. Tu vas pouvoir refaire. Il a repris sa ronde, donc ça veut dire que toi, tu peux entrer en piste. Merde! Non, c'est pas vrai! Je vais me faire griller, je dois rentrer tout de suite. Oh là 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 là. Mais pourquoi je reclique à moi? Va bien? Je suis prêt. Je suis peut-être morte là. On bouge plus. Ouais, ils sont tous captés. Prêt. Allez. Normalement, ils rentrent pas à l'intérieur. Attendez, moi Ouais. je suis stressée. Quoi maintenant? Fais quoi maintenant? Ben, je suis en stress. Vas-y, désactive les caméras, ça sera toujours ça de fait. C'est quoi le topo? Parez-vous tous ici. Technicos, pareil. Oh, Ça je va vous raconte tarder. pas, je suis en train de stresser. Mais, oh, ben, barre-toi. Bon, on a regagné un peu de jaune. Racheter. Mais t'as pas C'est désactivé, toi, parti. idiot! Je ferais mieux de revenir. Ouais, vas-y, barre-toi! Ouh! Il s'en va, il s'en va, il s'en va! Oh, je vous jure, je suis en émoi total. Repunche-le, du coup, lui. Quand lui retourne dans l'autre pièce, on se barre. On se tire. Je regarde vite fait. Il y a des choses qu'on n'aura pas à choper, c'est normal. Non, moi je me casse. Alors là, la mission est finie. Vous croyez quoi? Que je vais attendre 10 ans? Je vous jure, je suis en état d'excitation intense. Tu vas bien? Allez, hop! On Bon se barre! travail. Tu peux pas faire des miracles. Je peux pas faire de miracle? C'est une mission réussie. Ah oh, putain, je vous jure, je suis en. J'ai tout le stress qui retombe là, ça. Ouais, j'ai qu'un save sur trois. C'est pas mal, ouais. Bon, nouveau record en Crux. Je sais pas ce que c'est, mais tant mieux. Récompense du casse, 22 500. Outils vendus, 11 200. Argent volé, 7 400. Pot de vin, 675. Et le total, 40 425. Oh là là, on est riche, hein, 116 000, hein.
compétence Cléopâtre à disparition. Oh! Point de fer! Yes! Génial! Nouvelle étude disponible, acide à pierre. Ah, intéressant. Source de bruit améliorée. Cool. L'art de la cambriole. Ah bah, challenge amélioré. Enfin, je regarderai ça plus tard. Hein, donc, Bon. Eh bien, le niveau est réussi, les enfants. De danger, mon œil. On a eu une chance de cocu. Point. Césaré, pourquoi il n'est pas venu nous chercher? C'est pas son genre de nous laisser en plan. J'ai essayé de l'appeler, il n'a pas décroché et le répondeur est éteint. J'ai un mauvais pressentiment. Je vais te dire ce qui s'est passé. Ton cher mentor s'est fait la malle en emportant notre pierre de lune. Je t'interdis de dire ça. Ah oui, la pierre de lune. Il y a longtemps, voilà, ça. Quand on a volé la pierre au musée. La ferme, Bofus. Toi, la ferme. Oh là. Ah. Je doute que Césaré nous ait trahis. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Bah, répondez, les gars. On va répondre, oui ou non. Oui. Allô? Rufus, quel plaisir de t'entendre. C'est Murray. Quel fumier. Très drôle, bah... votre petit numéro avec les empreintes digitales. Il est pas enfermé. C'est mort, Murray. Tu m'entends? Mort. C'est ça, ma belle. Tais-toi donc un peu et écoute. J'ai deux, trois choses à vous dire. Allez. Et pourquoi tu veux qu'on t'écoute? Parce qu'il s'agit de Don Césaré. Oh là là. Murray oh non. Avait effectivement des choses importantes à nous dire. La bonne nouvelle, notre plan avait marché. Les flics avaient trouvé les empreintes de Murray à la réserve fédérale et notre ennemi juré allait croupir en tôle. Mais il était certain qu'on le relâcherait vite. Murray avait des amis haut placés qui ne demandaient pas mieux que de lui rendre service. La très mauvaise nouvelle, c'était que Don Césaré avait fait une grosse erreur. Ah. Pour nous fournir un alibi après notre dernier casse, il avait loué une chambre à l'hôtel Greco Casino. C'est là que les hommes de Murray l'avaient alpagué. Dès sa libération, Murray s'était promis de torturer Césaré jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et on savait qu'il tiendrait sa promesse. Aïe, aïe, aïe. Puis il a raccroché. Le seul motif de son appel était sans doute de nous narguer. Il nous avait eus. Et il voulait qu'on le prenne au sérieux. Et on peut dire qu'il avait réussi. Il avait forcément des renforts à l'appel s'il était assez fou pour s'en prendre ouvertement à un gangster du calibre de Césaré. Mais nous ne devions pas céder à l'intimidation. Nous avions un ami à sauver. Et nous tenions à savoir ce qu'était devenu la pierre de lune. Bah oui. La pierre de lune, que je rappelle, depuis le début du jeu, et le fil rouge un peu. Ouh, on a atteint. Pourquoi il y a une étoile? Ah, parce que c'est la fin de la ligne. Nous avons atteint la nouvelle ligne de métro. Le secret de la carte perforée. Ouh, les numéros gagnants. Difficulté du casse 4. Waouh. Ou 3. Eh ben, on verra. En tout cas, moi, c'est ici que je vous quitte pour cet épisode. En tout cas, c'est cool. On a enfin terminé la mission 11. Elle était complicado, mais je suis vraiment ravie. Je pensais pas finir en une seule fois le dernier niveau. Donc, je suis très contente. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt pour la suite de Crooks ou d'autres choses. Allez, salut!